Yes, salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil Biohazard, donc sur la fameuse démo que tout le monde a déjà joué bien sûr, ou que tout le monde a déjà vu une vidéo dessus. Donc désolé pour le bruit derrière, c'est ma fille en train de sauter dans son transat, donc elle est un petit peu folle cette petite là. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc je voulais retester la démo parce que j'ai vu qu'il y a eu une mise à jour qui a apporté plus de nouvelles fins en fait au jeu. Et j'aimerais bien, comment dire, les faire avec vous en vidéo, ça pourrait être intéressant. Comme ça fait depuis un petit moment que j'ai pas posté une vidéo sur YouTube aussi, parce que bon, ça fait, je vous faire des vidéos tout le temps sur les mêmes jeux, c'est pas que c'est gonflant, mais j'aurais bien changé. Je tiens à préciser aussi, faire une petite parenthèse, le 6, je télécharge Ark, et oui, il est enfin sur PlayStation 4, ça fait enfin plaisir, on va pouvoir s'éclater dessus. Il y aura pas mal de vidéos, les amis, dont mon cousin qui risque de me rejoindre un peu plus tard, après Noël. J'espère qu'il pourra en tout cas, pour qu'on puisse s'éclater sur Ark, élever des dinosaures et niquer des mers. Alors on commence tout de suite. Go! Juste. Et t'es fondé correctement. Petit bébé. Ouais, papa, il te fait pas regarder ça, papa, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Tu vas nous chier un truc si tu regardes le jeu, ça va faire. Surprise, motherfucker. Bon, ça, je l'ai passé. Est-ce qu'il y a moyen de le sauter, ça? Je me pose certaines questions comme ça sert à rien, j'ai déjà vu. Hello? Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Voilà. Bon, allez, lève-toi. On va essayer directement d'atteindre la pièce. Il me semble que c'était comme ça qu'on ramassait le fusible. Ouais, il doit y avoir un sens en fait. Il doit y avoir un sens. Ah, maintenant on peut, vous voyez, je vous l'avais dit, on pouvait pas avant. Maintenant on peut, maintenant qu'on sait, donc on va essayer d'ouvrir directement. Et là je crois qu'on trouve le fusible, il me semble, qui est posé là. Voilà, le fameux fusible. Voilà, donc déjà on a fait un descente sa part. Là on peut pas y retourner, donc ça sert pas à grand chose. Et là il n'y a pas la clé. Voilà, la clé elle apparaîtra pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien ce que je me disais. Ouais, donc en fait, il va falloir recommencer plusieurs fois. Ouais, donc là, on l'a actionné. Voilà, le fusible y est. Donc déjà, ça fera une fin différente. Ouais. On va voir si ça change quelque chose de passer directement par là. Bon, à mon avis, il se passera pas grand-chose. Ouais, on va rentrer ici. Voilà, donc on va ramasser les munitions qu'on a ramassées tout à l'heure. Voilà. La chasse, on peut pas la tirer. On va quand même essayer de rester sous nos gardes pour pas se faire avoir. Ouais, bon, le livre, on l'a fouillé, on l'a pris tout à l'heure. On va essayer de faire attention. Il y a forcément un sens à tout ça. Voilà, par exemple, pour qu'il y ait un truc qui a. Ah oui, attends, j'ai peut-être ma petite idée. La grille est verrouillée par une clé. D'accord. Peut-être durant la vidéo, il y aura moyen qu'on arrive ici. Je sais qu'il y a quelque chose à faire. Dans la vidéo, en fait, on peut ouvrir une sorte de merde, de tiroir en fait dans la cuisine. On sait qu'il y a quelque chose maintenant. On va pouvoir l'actionner ce bouton. Voilà. Descendre. Là, ils sont face au mur. Vous voyez? Ils sont face au mur. Ça veut peut-être dire quelque chose. Je vais pas y aller maintenant. On va redescendre. On va aller jusqu'à la pièce là-bas que le nounours y descende. Mais je sais pas si ce que je fais d'intérêt va changer quelque chose ou pas. J'en sais rien du tout. Je vous promets rien, quoi. J'essaye en tout cas d'en savoir un peu plus. Vous tous. Là, on regarde, il va voir les blattes. Voilà, une blatte qui sort de là, une blatte qui vibre dessus. Là, je fais une syncope déjà. Recommencer, je tape pas que je bouge dans tous les sens déjà. Voilà. Je sais qu'il y a un truc à faire pour ouvrir ce fucking truc en fait. Et c'est durant la vidéo, il faut faire quelque chose pour que ça ouvre.
chose en gros pour que ça ouvre là. Mais il y a quelque chose avec ça. Ce truc va forcément dire quelque chose. Ouais, normalement, on doit pouvoir ouvrir ce tiroir en fait directement via comment ça s'appelle la vidéo en fait. Quand on est dans la vidéo. J'ai ouvert là déjà que j'ai déjà mis le fusible. Parce que tu sais, c'est toujours un peu flippé quand on arrive à. J'arrive là. Voilà, maintenant je vais essayer de voir, pas dans la vidéo, est-ce que l'escalier sera déjà retombé comme j'ai fait par exemple. J'ai appuyé sur le bouton en haut, donc il y a des escaliers qui sont descendus. Est-ce que ce sera descendu ou pas? Est-ce que la porte qui est au fond sera ouverte ou pas? C'est ça les réponses que je cherche et nous allons le savoir. Très bientôt, l'autre il va arriver à faire boum comme un idiot là, sur une patate ou deux. Boum! Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis. Hé! Je bosse qu'avec des professionnels. On m'a dit que là, normalement, il y a une petite fille qui apparaît, on peut voir une petite fille. Je veux pas un remake de Marie-Lure. Je sais pas si c'est vrai. Le nouveau là, je le sens pas. Encore? Le fantôme d'une petite fille, mais je vois pas en fait. Ouais, je crois que c'est pas possible. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Oh, y'a rien, hein. Et n'oublie pas de dire si le mot de je dis pas des conneries, y'a rien, il se passe que dalle. T'inquiète. Y'a rien qui apparaît. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre troupeau paumé. Parce que là, par contre, j'ai vu une vidéo il y a longtemps. On voit comme une sorte de meuf, en fait, dehors, en train de regarder. On dirait un esprit ou quoi, je sais pas du tout. Est-ce qu'on tourne? Ok, on y va. Allez, essaye de défoncer ce truc là. Moi, je vais essayer de chercher des réponses. Laisse-moi faire. Chercher quelque chose, on peut rien voir à travers, non? Là, c'est bloqué. Ici, il n'y a rien non plus. Après toi. Bon, voilà, ça va être le. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Bon, on s'en fout, hein. On passe devant, avec on s'en fout. Quoi, baraque pourrie, des bruits étranges. Oh, elle est hantée. Hein, de moi, il y a encore, je dois pouvoir l'ouvrir ce putain de truc. Hey, j'ai présentateur, moi. Remplaçant week-end. Seulement remplaçant. C'est moi, peut-être qu'il avait. Non. Ah, il y a quelque chose qui me bloque, je peux pas y aller, d'accord, je dois attendre. Je dois attendre, je suis allé trop vite, oui, normalement, quand tu commences la vidéo, tu vas pas aussi vite. Tu les suis, les mecs. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Ah. Hé hey Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc, une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Un journal. C'est une famille normale. Ouais, ça m'emmerde vraiment, je me souviens plus. Sur leur fils, Lucas. Ah, j'ai plus. Lui a mal tourné, apparemment. Merde. Ouais, c'est ça. Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Ouais, lui il avance tout seul, voilà, lui c'est vraiment un mongol en fait. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André, problème mon pote. André a des problèmes. Suis-moi cousin. Suis-moi. André! Bon, on va voir si mon hypothèse est juste ou pas. Elle est pas juste. Il est où? Voilà. Je sais que parfois, selon les trucs qu'on fait... Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy, passe près de moi. Ouais, je peux pas. Là, il n'y a rien. Je pense que la porte là-bas, elle sera bloquée aussi. Et d'ailleurs, il n'y a pas tout le sang qu'il y a dessus. Ouais, elle est bloquée aussi, cette porte. Ouais, j'ai pas le choix. C'était quoi, ce truc? T'as entendu? J'ai pas le choix en fait, j'ai cru que durant la... Comme je sais que durant la vidéo, quand tu ouvres par exemple le tiroir, quand tu reviens... André? Quand tu reviens en fait, après que t'as fini de regarder la vidéo, en fait, que tu revas au tiroir et tu peux l'ouvrir en fait le tiroir. Bah, je me suis trompé, écoutez, j'ai bien cru. Et... En même temps, il y a tellement de André, gens qui cherchent à... Qui cherchent à faire la vraie fin, quoi. Et si c'est moi qui l'ouvrais, tu vois. Je veux pas ça, genre, faut que ce soit Jean-Paul Gaulle.
possible, je rêve. Ah, vous voyez, la table, elle est pas là. Allez, je descends, le classique, on va revoir l'autre accroché avec sa bouche là au tuyau, parce que André c'est un petit coquin, c'est un cochonou. Y'a pas un truc qui brille là? Ah, oh, c'est peut-être un petit truc de décor, là, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être un truc de décor. Un petit bug ça. Ah, j'essaie de partir tout droit en fait. Ah, je voulais partir tout droit sans regarder lui. Bon, là, il y a l'autre qui va marcher à côté. Ah, putain, je suis dégoûté. J'ai cru que mon hypothèse aurait pu fonctionner. Mais, finalement, non. Ça ne fonctionnera point. Bon, en tout cas, j'espère que les bruits de la petite ne vous gênent pas. Je suis vraiment désolé. Je peux pas faire autrement. Quoi. Qu'est-ce qu'il me dit là? Je t'écraserai contre un rocher. Il me dit exactement la même chose. Si je remets la cassette, me dis pas que je refais le passage. Si. Est-ce que je refais le passage ou est-ce qu'il y a autre chose à voir? Non, je refais le passage. Oh putain. Fais chier. Vous. Où t'es trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis. Hé, hey, tu bosses qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mais c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Putain, je suis dégoûté quoi. Je refais le passage. Y'a pas moyen de quitter ce passage, au moins. Là, je le sens pas. Ouais, voilà, on peut arrêter le tournage de la vidéo. J'espère que j'ai pas fait une connerie, hein. Parce que j'avais tout bien fait. Je voulais voir si ça allait vraiment faire une fin. Ouais, voilà. Il y a la clé quand même, hein. Même en ayant ramassé le fusible, j'arrive à avoir la clé quand même. Oh le con. J'ai regardé la vidéo. Ah, j'essaie vraiment de trouver des réponses à... ça, mais j'en trouve pas. Non, il correspond pas à la clé, ouais, il correspond pas quoi. Putain, il correspond pas à cette fucking clé. C'est descendu et là ils sont face. Bon écoutez, on va aller faire un tour là-haut sans forcément décrocher comme fait chier. Ah, ça y était pas ça avant. Ça y était pas ça avant. Ah, sûr et certain, ça y était pas. Il y a vraiment plusieurs fins quoi, ouais là déjà on a découvert une autre fin, hein. Parce que ça y était pas avant, hein. C'est sûr. Sûr à 200% ça y était pas. Alors au moins je me souviens vraiment plus quoi. Il va être dur. La clé du sous-sol. Eh hey, les gars, j'ai trouvé la clé du sous-sol. Eh hey, on est bien parti. Sous-sol direct les gars, on se repart. Hey, on est finalement, c'était peut-être pas faux finalement ce que j'ai fait, c'est bien avant la vidéo d'avoir ouvert
surprise. Ah, je me les chie dessus. Ouais, là par contre on connaît pas les gars là. Là les gars, on sait pas à quoi s'attendre. Ah, ça amène directement là. What? What the fuck? Y'a quoi ici? Pourquoi je suis descendu? Je suis descendu. Pourquoi je peux taper les corps? Oh yes! Attendez, avant de s'aventurer. Il y a une poupée là-bas. Attendez, avant. Oh! Je tapais ça, mais vas-y, ta race. Oh! Non mec! Oh c'est quoi ça? Non! Ta grand-mère! Non cours mec, cours! Oh non je meurs comme une merde! Non! S'il te plaît mec! Non fais pas ça mec! On est frères! Non! Non! Casse-toi! Oh! Non j'ai peur, je vais mourir! Cours! Cours! Allez! Oh shit! Pardon, what the fuck? Ah non, je suis mort, non, je suis mort les gars. Je vais crever, cours. Oh c'est stressant de fou les gars. J'ai peur. J'ai peur, je sais pas ce que je fais, j'ai peur. Ramasse le gun. Oh putain, j'ai trouvé un gun les gars. Ça c'est bueno ça. Oh j'ai eu peur là par contre. Que 4 balles. J'ai envie de niquer sa mère en bas à l'autre, mais je sais pas si je pourrais. Non. J'ai peur. Je crois que le gun c'est pour aller niquer la gueule à l'autre en bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On va niquer la gueule? Allez. On tente d'aller baiser sa mère lui. On lui vise la tête, hein, on lui expose le crâne. Allez, montre-toi, salopard. J'ai bégayé. Désolé si je parle pas beaucoup, je me suis dessus. Ces poupées, il doit bien avoir un rapport avec ces poupées. Il est plus là. Bah, il est plus ici. Bon, bah écoutez, il est plus ici. Bizarre.
pas de réponse là, je sais pas pourquoi il est plus ici. Je comprends pas trop les gars. Si on me donne une arme, c'est qu'il va forcément se passer quelque chose. Et pas quelque chose de sympatoche, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends pas trop là. On va regarder la carte. D'accord. Bon, mais il nous reste juste à redescendre et en espérant que qu'on va débloquer. Une autre fin, maintenant qu'on a l'arme, peut-être qu'il va pouvoir y affuster sa gueule, quoi, cet enculé. Là, il y a un truc qui va tomber. J'ai pas eu peur ce coup-ci. Allez, Clam, tu vas pas te laisser faire. Ah, si. Bah écoutez, j'ai pas vraiment trouvé. J'ai pas réussi à trouver. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a eu quand même un passage assez flippant, un passage avec le monstre. Donc on a déjà quand même un avant de tout ce qui nous attend dans Resident Evil. Donc ça c'est mon seul, on a l'habitude. Je suis vraiment désolé, je peux pas continuer. J'ai ma fille qui pleure, donc je vais devoir aller la chercher pour être. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me donner votre avis, savoir si vous avez débloqué d'autres fins, si vous avez réussi. J'espère que la vidéo vous aura servi, en tout cas pour ma part. J'espère vraiment, j'ai réussi à faire un truc que j'avais jamais fait avant, sans regarder de vidéo. Je suis vraiment super content. Donc je vous fais d'énormes bisous les amis, je vous dis ciao ciao. Et n'oubliez pas les amis, c'est vous les meilleurs. Allez, bye.